Patrick, incroyable. Jean-Philippe Darcy, vraiment un gars super sympathique. Moi, j'ai vraiment adoré les produits, son magasin, les nouveautés, ses petits chocolats, ses macarons et tout. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était vraiment… Bah, voor mij is dat een gast, een cadet, een kit, gelijk dat ze in Brussel zeggen. Ongelooflijk. Ik bedoel, dat is een gast, allez, een grappige gast, pied-à-terre, die er droomt niet. Die zit bijna wereldwijd, heeft hij bijna nu winkels open gedaan. Dus u gedacht van, bam, chocolade, macaron, effectief. Hè? We kunnen er misschien de king van macaron noemen. Hè? Le roi des macarons, Jean-Philippe Darcy, qui, comme tu le dis Patrick, hein, il est un peu partout, il est en Belgique, il est au Japon, il est un peu partout. Qu'est-ce que tu en penses ce qu'on peut faire, comment on va revisiter, voir un petit peu? Ça nous a quand même inspiré. Tu as une idée, toi, Patrick? Ah, je bent al begonnen een beetje. Hè. Je hebt mij al... Ik moet hem nog juist maar inkoppen. Hè. Dus de chocolade, de macarons. Misschien daar een combinatie van de twee. Maar dan op onze manier, hè, Alexander. Dus ik stel voor, laten we gewoon aan beginnen. Jullie zult wel naderhand ontdekken waarover dat we het hebben. En dus laten we gewoon starten. Oké, okay, super. Denk je? Alors, on va commencer peut-être par une belle petite ganache. On va expliquer un peu comment on fait une bonne petite ganache. Hein. J'ai réuni ici les ingrédients. Donc ici, on a de la crème. On a le chocolat qui est déjà fondu. Si tu veux bien me le peser, Patrick. Hein, avec plaisir. C'est super. Donc, je vais ici prendre la crème. Je vais la mettre dans mon poêlon. Et on va mélanger... trois différents sucres. Alors ici, on aura du glucose, on aura du sucre inverti et on aura un peu de sorbitol. Donc ça, Patrick, c'est des sucres pour aider à la conservation du produit. Donc voilà le sucre inverti et ici le sorbitol en poudre. Alors ici, il est très important de chauffer la crème. Ici, on va prendre la température. C'est très, très, très important. On va chauffer la crème à 40 degrés. Pourquoi à 40 degrés? Parce qu'à 40 degrés, on est certain que tous les sucres sont complètement dissous. On ne va pas aller au-dessus, Patrick. Comme ça, on va mélanger, on va émulsionner le chocolat qui est liquide et on va essayer de tenir une température finale entre 30 et 35 degrés. On va pouvoir la cadrer directement et on aura déjà des cristaux stables dans les ganaches. Donc, naar efficiëntie toe in uw productie, Alexandre, is dat de perfecte manier uiteindelijk, hè, om rechtstreeks door te kunnen werken, niet te moeten wachten van, hè, is mijn mengeling, mijn emulsie niet te warm voor alleen dat ik de boter of de alcohol of de aroma's kan toevoegen. Dus een ideale manier. We hebben hier ook geopteerd om een 70-30, 38 en 40 gaan gebruiken voor in de ganache. Hè, dus weer om die lekkere bitterheid te gaan weergeven in de ganache. Exact. Niet onbelangrijk, hè. On arrive ici à 40 degrés. Perfect. Hein, on stoppe. On va pas plus loin. On va pas plus loin. Okay. C'est important. Ok. De et tu vois que la crème, elle a changé de couleur. Hein, ça c'est grâce au sucre, elle a jauni un petit peu. Donc c'est une crème qui est sucrée maintenant. Het heeft ook geen noodzaak van warmer te gaan, want de suikers die smelten rond de 30, 35 graden. Exactement. Dus perfect. Donc ça c'est vraiment important. Donc ici, je coule toujours la partie liquide, donc la crème ici en l'occurrence. On va ajouter le chocolat. Donc, on répète, le chocolat, il est fondu, hein, il est. Merci Patrick. Il est pré-cristallisé, tout à fait. Hein, donc, on est aux environs de 32 degrés, 32, 33. D'accord, super. On va bien mettre tout le chocolat. On va ajouter une petite partie de beurre de cacao. Et le beurre de cacao, ici, Patrick, bon, ça va nous aider pour avoir une consistance finale, ce qui va nous permettre de pouvoir couper les chocolats à la guitare. D'accord? Super. Donc ici, hein, on va utiliser du beurre de cacao Micrio. Donc c'est un beurre de cacao qui est sous forme de poudre, très facile à l'emploi. Avec la température qu'on a, hein, de 40 degrés de la crème, il va fondre automatiquement. Et ici, on a un beurre anhydre. Un beurre anhydre, c'est un beurre en fait qui ne contient pas d'eau. 100% beurre, 100% matière grasse. Il n'y a pas d'eau. Encore une fois, on décide d'utiliser un beurre comme ça pour éviter d'ajouter de l'eau dans la ganache. Dus wel zeer belangrijk naar de houdbaarheid van uw product, Alexandre. Tout à fait, Patrick. Van uw room, uw boter, al uw producten, probeert ze zodanig uit te kiezen dat ze een minimum aan water hebben om je houdbaarheid te gaan verlengen. Dus dat is al hetgeen dat Alexander hier perfect aan het uitleggen is. Hè? Alors,
Ce qui est très important dans la réalisation d'une gainage, c'est qu'il y a une belle friction, qu'il y a une belle émulsion. Pour ça, il faut avoir aussi du matériel adapté. Et ici, on a pris un super cutter. Et ce cutter va permettre d'émulsionner. Ça ne sert strictement à rien de mettre ces cutters-là à toute vitesse, parce que plus tu augmentes la vitesse, plus tu vas faire rentrer de l'air dans ta gainage. Et c'est absolument pas ce qu'on veut. Ce que je te propose maintenant, Patrick, c'est préparer le cadre. Si tu veux bien chablonner. Dus we gaan jullie even een kleine tip geven op mijn kaders, natuurlijk op een kleinere schaal. Hè. We hebben een sponsje dat we lichtjes bevochtigd hebben. We gaan de plaat hier met dat sponsje bevochtigen. We nemen een plastic. Deze plastic gaan we over de plaat plaatsen. En dan Alexandre, ik heb mijn schoonbroer, dat is een ruitenwasser. Elle était en train de nettoyer les fenêtres à la maison. Non, mon beau-frère, c'est un laveur de vitres, tu vois. Dus heb ik dat eventjes van hem mogen lenen vandaag. Maar dat werkt dus perfect om ergens je blad mooi op je plaat, zonder lucht ertussen, te kunnen bevestigen. Ça, c'est vraiment un super petit truc, Patrick. Regarde, le plastique, il ne bouge plus. On peut tirer. Ça, c'est génial. Ça ne bouge plus et ça permettra d'étaler le chocolat d'une façon régulière. Ja, het is, ik zie dat je ervan geniet dat het precies een spelletje is voor u van te surfen over de ganache, bij wijze van spreken. Allez, tout à fait, ça doit être bien plat, elle est prête. Alors maintenant, on va mettre cette ganache au frigo, un frigo à chocolat, donc un frigo 16 degrés. On va la laisser cristalliser. Une fois qu'elle a légèrement pris, on la sort, on va venir la plastifier pour être certain qu'elle ne sèche pas. Et puis après, on va la laisser cristalliser pendant 12 heures pour pouvoir après la couper à la guitare. Dus de ganache, Alexandre, hebben we een nacht laten rusten, hè, zoals we het voordien zeiden. Dan hebben we ze gesneden met snijdraadapparaat. We hebben heel dunne, fijne palets gemaakt. Zo noemen we het, palets. We hebben hier een aantal die klaar zijn. Wat gaan we nu met die palets doen? Donc maintenant, c'est ça qu'on va enrober, hein, Patrick. Donc c'est bien les palets, très fins, bien découpés. Il y a une belle découpe là, je vois. On a vraiment des beaux carrés. Et tu vas utiliser donc, voilà, ce qu'on appelle une fourchette à enrober. Donc pour ça, on utilise du chocolat précristallisé. En l'occurrence ici, référence Calbo 70-30-42, donc un chocolat qui contient plus de beurre de cacao pour avoir une plus fine couche. Dus om dunner te kunnen gaan mouleren, hebben we dit type chocolade gebruikt. Dus we gaan het vierkantje ganache nemen, we gaan dat op de chocolade leggen. D'accord, la technique. We gaan dat mooi naar beneden dompelen en we gaan met behulp van een vork een fijn laagje chocolade er terug over trekken. Daarna is het zeer belangrijk om te dompelen. Dus het dompelwerk is zeer belangrijk dat je eigenlijk door de massa van de chocolade, moet je altijd in contact blijven, gaat hij de overige chocolade mee wegtrekken. Hè. En dan gaan we dat mooi. C'est superbe, Patrick, ces petits palets neerleggen. On voit déjà le résultat final, c'est déjà bien brillant. Alexandre, we hebben hier eigenlijk wel. Ik vind een gemakkelijke chocolade om te dompelen. Ik heb er hier nu een aantal gedaan, fijn laagje. Kan je iets meer vertellen over die chocolade-applicatie? En effet, Patrick, tu as tout à fait raison. Donc, hein, voyez ici le beau packaging chez Calbo. Vous avez toutes les informations sur le chocolat pour toutes les applications. Donc, ce qui est important ici dans ce cas-ci, hein, comme tu disais, Patrick, un chocolat 70-30-42, donc un chocolat qui est très fluide. Ici, vous avez les différentes gouttes. Ici, on est dans un 38, mais nous vous le proposons aussi en 42% de cacao. Mais dat is dus wel de 70-30-38 dat we voor de vulling gebruikt hebben. Exactement, okay. Exactement. Et celui qu'on a ici dans le fondoir, c'est avec 42%. 42, dus 42%. Dus veel gemakkelijker om te dompelen, lopender, om een fijn laagje te doen. Bon, Alexandre, de macarons, hebben we die bij? Oui, Patrick, donc ici,
Nous avons réalisé quelques macarons. Regardez, encore une fois, on a choisi les couleurs qui représentent de nouveau le drapeau belge, on en est fiers. Et ici, à chaque couleur, on va donner un goût. Donc, on a choisi des goûts qui sont typiquement belges. Donc, ici, pour le noir, on va faire au sirop de Liège. Ici, dans le chocolat jaune, pardon, dans la couleur jaune, on aura un caramel spéculoos. Et rouge, on va faire une belle confiture de fraises de Wepion. Donc, des produits vraiment typiquement belges. Deze chocolade gaan we terug in een koelere kamer zetten, 14, 15 graden. Tout à fait. Om te laten uitkristalliseren. We gaan die gewoon even wegzetten. En dan, nadien, uiteraard, speciaal voor jullie, hebben we er al een paar klaar. Maar dat ons toelaat eigenlijk om ons concept Jean-Philippe Darcy vertaling door te trekken. Hè? Tout à fait. Donc ici, Patrick, on va aller insérer un petit macaron de chaque côté du chocolat. Donc c'est la raison pour laquelle je ne mets pas beaucoup de confiture. Mais par contre, j'en mets des deux côtés, évidemment. Dus zoals je kunt zien, gaan we eigenlijk de ganache of de praline gebruiken om in de macaron te zetten. En we gaan een extra aroma bijbrengen doorheen, in dit geval, de confituur van fraise de Wepion. Donc ici, Patrick, pour le jaune, on va utiliser le petit caramel spéculoos. Regarde la texture, magnifique texture, bien crémeuse. Et c'est bien parce que ça va bien attacher au chocolat. Donc il ne faut pas en mettre de trop parce que si vous en mettez trop, évidemment, ça va déborder dans tous les sens. Il faut en mettre assez pour qu'il y ait un goût et assez pour le coller. Ça, c'est superbe, Patrick. Et je termine avec le noir, le sirop de Liège. Donc ici, on est toujours parti sur le même chocolat, la même base, le même centre, mais on a donné un goût différent grâce à l'intérieur du macaron. Là, je pense, Patrick, qu'on va faire un peu honneur à Jean-Philippe. Il nous a montré aujourd'hui ses macarons qui étaient magnifiques, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de goût. Il nous a montré aussi ses petits chocolats. Mais nous, on a décidé, voilà, tout simplement d'aller combiner le tout ensemble et avoir ici un petit macaron avec un palais chocolat à l'intérieur. Et regardez ce que ça donne. Patrick termine. Voilà, c'est hier le résultat. On va le mettre. Voilà, tout à fait. C'est un peu délicat, on va un peu ranger en même temps. Voilà, dus we hebben weer zwart, geel, rood, onze Belgische vlag voorgesteld. En ik, tja, het is echt Jean-Philippe Darcy. Dus c'est joli. Ik denk dat we bij deze ook weer Jean-Philippe Darcy mogen bedanken voor deze inspiratie. Macaron, praline belge, c'est génial. Super, dank u.